Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2024 pour le signe du Verseau. Donc comme pour tous les autres signes, donc je fais un horoscope dit solaire ou général, c'est-à-dire qu'on prend en compte que le soleil de naissance, on ne prend pas toutes les autres planètes du système solaire, parce que cela dépend de votre thème personnel de chacun. Donc pour ça, il faut avoir votre date, heure et lieu de naissance pour faire ce qu'on appelle un thème astrologique. Donc là, il faut consulter un astrologue du coup pour avoir plus de précision. Donc là, ça reste un thème donc général. Donc on va faire les trois décans donc du signe du Verseau. Alors les premiers décans sont les natifs nés du 21 janvier au 31 janvier de manière générale, hein, ça dépend des années. Il y a des années bissextiles, donc le soleil traverse ce signe pas forcément à la date du 21 de chaque année, ça peut être 19, 20, 21, 22, ça dépend des années en fait. Deuxième décan, donc c'est les natifs nés du 1er février au 10 février. Et troisième décan, donc les natifs nés du 1er février au 19 février. Donc voilà, donc je vais faire d'abord le premier décan du signe du Verseau. Alors, donc le premier décan, donc quelles seront vos influences pour 2024? Donc vous aurez votre soleil conjoint à Pluton en Verseau du 22 janvier au 1er septembre et du 20 novembre au 31 décembre. Alors c'est un aspect important de remise en question, hein, parce que Pluton se trouve dans votre signe. Donc c'est vraiment pour les tout débuts du signe du Verseau, hein, ceux qui sont nés vraiment vers le 20, 21, 22 janvier éventuellement, voilà. Dans ces eaux-là. Les autres, ça sera plutôt l'année prochaine. Donc, c'est vrai que c'est assez important pour vous. Là, il y a vraiment un démarrage de quelque chose de très important pour vous. Alors, comme c'est une conjonction, donc elle peut être plus ou moins bien inspectée. Donc, c'est un aspect, on va dire, mitigé. Hein. Il peut être, ça peut être vu comme un bon aspect, mais aussi comme un aspect dit plutôt dit compliqué. Donc, tout dépend en fait des aspects que recevra cette conjonction de votre thème. Pour les bons aspects, bah, c'est des remises en question importantes, des transformations, des changements de vie profonds. Ça peut être dans votre relation, dans votre entourage, dans vos amitiés. Ça peut être dans d'autres domaines de vie, mais voilà, il y a quelque chose d'important en vous qui change. Et ça se fait petit à petit au fil du temps. Donc peut-être un nouveau passage de vie, voilà, une nouvelle période de vie importante pour vous. Les gens qui ont plutôt des aspects donc plutôt un peu conflictuels, donc là ça donne plutôt des difficultés, donc ça peut être des déchirements, des destructions, des problèmes avec un homme, un père, un mari, il peut y avoir des fins de relation, des problèmes de santé dans le pire des cas. Ça peut être un moment difficile à vivre, vous voyez tout en noir, donc ça peut être assez compliqué. Donc après voilà, je prends dans l'extrême, mais voilà, c'est pas forcément si difficile que ça selon les aspects que reçoit cet aspect, selon votre thème, hein, forcément. Donc un aspect on va dire déjà important. Donc là il faut vraiment faire au cas par cas pour le coup. Ensuite vous aurez Soleil carré Jupiter en Taureau du 1er janvier au 21 juillet, pour les 7 premiers mois de l'année, hein, le premier semestre. Donc un aspect important où vous vous sentez vraiment à l'aise, il y a une notion d'excès, hein, dans tout genre, ça peut être dans le plan matériel, financier. On est un peu trop suffisant, parfois on peut trop en faire, on est trop orgueilleux, trop. Il y a beaucoup d'enthousiasme, on veut faire plein de choses, voilà, il y a une inflation du moi, comme on dit, hein. Le soleil c'est l'ego, donc un carré à Jupiter, on amplifie en fait cet ego, donc on en fait un peu trop en fait. Dans le taureau, voilà, ça peut être pour des questions de biens matériels, financiers, dans des choses pratiques de la vie courante, mais voilà, ça peut être compliqué, donc voilà, on peut être mal perçu, perdre des dépenses, donc faire attention à ce moment-là. Soleil Trigone Jupiter en Gémeaux du 26 mai au 10 juillet, donc là en revanche un bon aspect pour vous, pour vous sentir à l'aise, enthousiaste, avec beaucoup d'échanges au sein de vos relations, hein, ça peut être dans vos proches, au voisinage, les relations proches. Donc il y a beaucoup d'échanges, de déplacements qui sont bien vécus. Donc vous avez à cœur de vraiment de partager, d'échanger beaucoup vos idées. Donc période prolifique. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Verseau du 14-27 février. Donc là, attention, c'est pareil, un aspect en demi-teinte, donc ça peut être bien vécu, donc beaucoup d'énergie pour la réforme, pour agir de manière anticipatrice, de faire des choses pour le bien commun. Mais en mauvais aspect, attention, cette conjonction, ça reçoit des mauvais aspects. Dans cette période, vous pouvez être plus vindicatif, rebelle, agressif. Et ça peut vous jouer des torts. Donc, dans le pire des cas, ça peut être des accidents, par exemple, de parcours ou des conflits avec une autorité, par exemple, avec un groupe. Donc, faire attention. Soleil sextile Mars en Bélier, ensuite du 1er au 14 mai. Donc, là, bon aspect pour agir de manière franche, directe, dans ce que vous avez envie d'entreprendre, de faire. Donc, aspect vraiment positif sur le plan énergétique.
Ensuite, Soleil carré Mars en Taureau du 10 au 22 juin 2024. Donc là, en revanche, attention, un risque encore une fois d'agressivité, de tension. Il y a des conflits. En plus, Mars en exil dans ce signe, c'est-à-dire qu'il ne se trouve pas bien du tout. Donc ça peut être une colère rentrée, on peut être colérique, il y a beaucoup de rancœur, on rumine certaines choses parfois. Donc attention, parce que ça peut créer vraiment des divergences de points de vue, et chacun reste sur ses positions hein, dans deux signes fixes, hein, Verseau, Taureau, donc ça peut être assez compliqué. Ensuite, Soleil, Trigone, Mars en Gémeaux, donc du 21 juillet au 5 août, la bonne énergie à nouveau pour agir dans les domaines que vous souhaitez entreprendre, notamment dans les idées pratiques que vous voulez mettre en place pour la communication, des échanges avec des proches ou autres. Ensuite, Soleil Quinconce Mars en Cancer du 5 au 23 septembre. Donc là, une légère dichotomie, un léger blocage, enfin une légère agressivité, des légères choses à maîtriser dans les tensions hein, au niveau émotionnel. On peut agir en fonction de comment on ressent les choses, mais voilà, c'est des fois peut-être des petites choses à recadrer, à revoir pour que ça fonctionne bien. Ça peut être sur le plan familial ou autre, du foyer, mais pas que. Ensuite, Soleil opposé Mars en Lion du 5 novembre au 31 décembre. Donc là, attention, cette fin d'année, il risque d'y avoir des conflits d'ego. Hein. Mars en Lion, on va agir de manière peut-être présomptueuse, avec beaucoup comment dire, de courage, de verve et de s'imposer. Mais ça peut être mal vécu. Donc soit on est en conflit avec une autorité, en amour, ça peut être dans d'autres domaines de vie. Mais voilà, attention au risque de complications, de querelles. Et de disputes avec autrui. Ensuite, Soleil sextile nœud nord en Bélier du 25 juillet au 31 décembre, donc là plutôt positif pour l'évolution de votre vie sur le plan karmique, on va dire. Donc il peut y avoir des aides pour s'affirmer, pour avoir voilà un semblant d'autonomie, de sentir plus à l'aise dans ce que vous voulez faire, des choses comme ça. Donc après, il faut voir en fonction de votre thème, hein, dans quel domaine ça tombe. Et Soleil trigone lune noire en Balance du 30 juin au 28 septembre. Donc là, bon aspect pour les réparations, pour sublimer des manques en vous, à travers ça peut être dans des relations, dans le couple, dans des compromis. Donc il y a des choses qui peuvent se réparer avec un homme, un père par exemple. Il peut y avoir des choses intéressantes à voir à ce moment-là. Les transits pour le premier décan donc, du signe du Verseau. Donc ensuite, je vais faire le deuxième décan. Alors donc pour vous, deuxième décan, signe du Verseau, donc vous aurez votre Soleil carré Uranus en Taureau du 1er janvier au 13 mars. Alors donc là attention parce que c'est un aspect de rébellion, et comme c'est une des caractéristiques qui vous sied donc à vous, signe du Verseau, vous pouvez avoir un aspect donc assez fort, hein, Uranus c'est votre planète, donc attention à l'aspect de rébellion, de vouloir s'affranchir de certaines contraintes, hein, parce que là vous serez très électrique. Et donc, vous pourrez tout envoyer balader. Donc, Soleil carré Uranus, c'est vraiment la rupture nette, franche, hein, imprévisible. Donc, ça peut être un conflit avec un homme aussi, une autorité, un père, un mari, que sais-je. Donc, attention, parce que là, pendant ces 3 premiers mois, là, vous êtes assez tendu. Donc, après, il faut voir dans quel domaine de vie ça peut tomber. Hein. Ça peut être des choses, des coups du sort aussi qui vous tombent dessus. Donc, soyez attentif et essayez essayez de relativiser, de prendre ça avec le plus de recul possible. Ensuite, Soleil carré Jupiter en Taureau du 22 février au 13 avril. Donc là, aspect à nouveau de tension, mais plus dans le domaine des excès. Vous en faites trop, vous êtes trop suffisant. Il y a une inflation du moi, un peu trop d'ego à ce moment-là. On est peut-être trop généreux aussi. Il y a beaucoup de dépenses dans les biens matériels, financiers. Voilà. Donc faire attention peut-être à ce moment-là de pas trop en faire. Hein. Peut être un peu trop suffisant, vaniteux, orgueilleux. Ça peut être mal perçu. Ça peut être un éloignement aussi de vous, d'un mari, d'un père par exemple, ou d'un homme. Donc voilà. Ensuite, Soleil Trigone Jupiter en Gémeaux du 10 juillet au 10 septembre. Donc là, en revanche, là c'est un bon aspect pour les échanges, pour discuter, communiquer, se déplacer avec les proches, autres, dans les relations. Donc là, il y a beaucoup d'échanges, de communication, donc c'est très prolifique. Vous sentirez bien, et bien, ce sera bien vécu et bien perçu de votre côté. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Verseau du 27 février au 10 mars. Donc là, c'est un aspect en demi-teinte, hein, selon comment on reçoit cette conjonction. Il peut y avoir des bons et des mauvais aspects. Donc, en bon aspect, si cette conjonction est bien vécue, bonne énergie pour agir pour autrui, hein, dans un collectif, un groupe, une asso ou autre, des amis.
Mais pas que, ça peut être dans le travail, les amours, l'argent, le foyer, les relations, pour, je sais pas, les héritages, que sais-je, la sexualité, quelque chose de. Après, voilà, ça dépend vraiment du thème de chacun. Mais voilà, c'est beaucoup d'idées avant-gardistes. Hein. Vous agissez avec beaucoup d'intelligence, d'anticipation en verso. Et en revanche, c'est mal inspecté. Attention au conflit, au risque d'accident, des choses imprévisibles, des choses qui vous tombent dessus, un peu de la rébellion. On casse un contrat, on peut casser une relation, on peut être un peu en tension, plutôt en dispute. Donc faire attention. Ensuite, Soleil sextile Mars en Bélier du 14 au 27 mai. Donc là, bon aspect pour agir de manière franche, directe, carrée. Donc bonne énergie pour agir dans tel ou tel domaine de votre vie. Ensuite, Soleil carré Mars en Taureau du 23 juin au 6 juillet. Donc là, à nouveau, un risque de tension, de querelle, de mésentente. On est, comment dire, on rumine certaines colères rentrées. Il peut y avoir de la rancœur. On peut agir avec, comment dire, avec retard. On ressasse trop les choses avant d'agir, donc c'est pas très bon. Comme ce signe est. Enfin, cette planète est dans un signe qui n'est pas en harmonie avec, hein. Ils sont en exil, on dit. Donc forcément, c'est pas trop adapté. Donc attention au conflit, encore une fois. Soleil Trigone Mars en Gémeaux ensuite du 5 au 20 août. Donc là, bonne énergie pour agir, pour vos idées, pour mettre en pratique vos idées. Vous avez de l'intelligence pour vous déplacer, pour faire plein de choses qui vous plaisent, hein. Il y a des choses, peut être un peu à droite à gauche, beaucoup d'échanges, déjà dans tous les domaines, donc vous êtes assez prolifique à ce moment-là, donc c'est intéressant pour vous. Soleil quinconce Mars en Cancer ensuite du 23 septembre au 11 octobre, donc là une légère dichotomie, une légère tension, ça peut être dans la famille, vous agissez avec émotion, selon vos humeurs, donc mais des fois, c'est un peu mal perçu ou mal compris. Donc attention, ça peut créer des petites mésententes, mais c'est pas méchant. Ensuite, Soleil sextile Nord en Bélier du 1er janvier au 24 juillet. Donc là, c'est plutôt positif pour votre chemin de vie, pour évoluer sur votre chemin de vie personnel. Donc il y a une notion d'indépendance, d'autonomie, d'être un leader, par exemple, ou de s'affirmer plus. Hein. Donc là, vous pouvez t'aider aussi. Donc à voir selon le thème de chacun, encore une fois. Soleil Trigone Lune Noire en Balance ensuite du 28 septembre au 31 décembre, donc très intéressant pour sublimer un manque, ça peut être dans le couple, dans des relations, donc il y a des choses en vous qui peuvent être comblées, des blessures d'âme par exemple, donc à suivre. Hein. Soleil Sextile Le Nord en Bélier, j'en ai parlé, et Soleil Sextile Chiron en Bélier du 1er janvier au 18 avril et du 13 novembre au 31 décembre, donc là bon aspect pour guérir pareil des blessures d'âme, des blessures physiques, il y a des choses qui sont réparateurs chez vous. Alors, il faut voir après dans quel domaine. Vous avez une quête aussi que vous voulez suivre, qui vous tient à cœur, qui peut être importante pour vous. Donc après, il faut voir, il peut y avoir des choses importantes, qui se réparent ou qui se mettent en place pendant ces périodes. Donc voilà pour le deuxième décan du signe du Verseau. Donc maintenant, je vais parler du troisième décan, enfin. Donc enfin, les natifs troisième décan du signe du Verseau. Alors, quelles seront vos influences pour 2024? Donc vous aurez Soleil, carré Uranus en Taureau toute l'année. Donc là, attention, parce que vous êtes dans une année où vous serez électrique. Hein, attention, beaucoup de tension, vous serez rebelle à toute contrainte. Donc vous qui aimez votre liberté, forcément, il ne faut pas qu'on vous emprisonne, qu'on vous contraigne. Hein, donc attention, parce que vous risquez de ressentir ça cette année. Donc vous allez vous libérer. Donc attention, aspect de forte tension. Donc ça peut être imprévisible, ça peut vous tomber dessus, ça peut être un rapport avec une autorité, un homme, un père, un mari, mais pas seulement. Ça peut être en vous-même, dans d'autres types de domaines de vie, hein, au travail, amour ou autre, selon votre thème. En tout cas, voilà, c'est un aspect là assez important, parce que Uranus, c'est votre planète maîtresse, hein, planète du Verseau, donc l'aspect est d'autant plus puissant. Donc soyez assez, comment dire, alerte là-dessus et essayez de faire attention à ne pas rompre de manière inconsidérée, ce que vous pouvez regretter, ça dépend après des conséquences que vous pouvez avoir. Donc soyez attentif à ce moment-là quand même durant cette année. Ensuite, vous aurez carré Jupiter en Taureau là, du 14 avril au 25 mai. Donc là, encore une fois, un aspect de tension, mais dans l'excès. Donc vous êtes un peu trop suffisant, trop sûr de vous. Il peut y avoir beaucoup d'enthousiasme, en même temps trop de vanité, d'orgueil. Vous pouvez aussi trop dépenser, peut-être dans le domaine matériel, financier, mais pas que, ça peut être dans d'autres domaines.
avec un aspect d'inflation du moi, là où l'ego est un peu trop présent, où on s'impose peut-être trop sur divers domaines de vie, tout dépend de votre thème. Donc à revoir là, ce, ça peut être mal perçu aussi. Soleil Trigone Jupiter en Gémeaux, ensuite du 11 septembre au 6 novembre. Donc là, bon aspect par contre pour échanger, pour se déplacer. Là, le Jupiter est beaucoup plus intégré, donc des échanges prolifiques. Ça peut être avec les voisins, les proches, dans vos communications, avec votre entourage, vos amis. Donc après, ça peut être dans d'autres domaines de vie, hein, mais beaucoup d'échanges, de déplacements, et c'est très prolifique pour vous. Ensuite, Soleil sextile Mars en Sagittaire du 1er au 4 janvier, donc un début d'année où vous aurez de l'énergie à revendre, peut-être suite aux fêtes, à vous dépenser. Donc vous aurez peut-être voyagé, bougé aussi, pourquoi pas. Ensuite, Soleil conjoint Mars en Verseau du 11 au 22 mars. Donc là, aspect en demi-teinte. Hein. C'est bien vécu cette conjonction. Vous agissez avec anticipation pour des réformes, pour des idées avant-gardistes, pour autrui, dans des relations, dans des collectivités, des groupes, des assos, que sais-je, les amis, etc. Donc il y a beaucoup d'échanges intéressants. Ensuite, si c'est mal vécu, bah, par contre, là, ça peut faire un aspect de tension, de rébellion. Il peut y avoir des réformes, des tensions, des conflits, pour des idées aussi, avant-gardistes ou sur le refaire le monde, ou des choses comme ça. Donc après, à voir, hein, sur votre thème. Soleil sextile Mars ensuite en Bélier du 27 mai au 9 juin. Donc là, bon aspect pour agir de manière efficace, de manière pragmatique, enfin de manière directe, on va dire franche dans tout ce que vous voulez entreprendre. Donc là, une très forte énergie à utiliser pour vous qui est positive. Ensuite, Soleil carré Mars en Taureau du 7 au 20 juillet. Donc là, en revanche, attention à la forte tension, aux colères, aux disputes, aux querelles. C'est un Mars qui est en exil hein, dans ce signe en Taureau, donc il est mal vécu, il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise du tout. Donc la colère peut être rentrée, on peut ruminer, on peut être ressassé, il peut y avoir des choses rentrées qui peuvent ressortir après coup. Donc c'est un aspect de colérique, un aspect colérique. Hein, on est souvent assez, comment dire, voilà, on n'est pas toujours. On n'arrive pas à trop extérioriser, donc ça peut être un peu problématique, quoi. Donc attention, pareil, au conflit, hein. Alors ça peut être dans des domaines matériels, mais pas que. Donc à voir sur votre thème. Soleil Trigone Mars en Gémeaux ensuite, donc là en revanche plutôt positif pour vous, du 20 août au 4 septembre. Donc là, bien pour agir selon vos idées concrètes, malicieuses, enfin astucieuses, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup voilà, d'idées pratiques que vous voulez mettre en œuvre. Donc vous pouvez être aussi un peu partout à la fois, c'est bien pour se déplacer, pour agir, pour bouger, faire des rencontres, etc. Ensuite, Soleil Mars en Cancer du 12 octobre au 4 novembre. Donc là, un aspect voilà, où il y a une légère tension, hein, ça peut être par rapport à ce que vous ressentez, vos émotions, vous voulez agir en conséquence, ça peut pas toujours être bien perçu ou mal compris, donc attention, parce que ça peut faire des petites incompréhensions, des choses à revoir à ce moment-là, bon, c'est pas méchant. Et enfin, Soleil sextile Chiron en Bélier du 19 avril au 12 novembre. Donc là, un bon aspect pour tout ce qui est réparateur au niveau des blessures de l'âme ou physique, enfin, des choses qui peuvent vous toucher. Donc il y a des choses importantes voilà, qui sont régénérateurs pour vous. Donc après, à voir hein, selon votre thème. Donc voilà, bon, j'ai terminé pour les trois décans donc, du signe du Verseau. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter, donc tout est en description sous la vidéo. Et quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo, donc pour la dernière, celle du signe des Poissons pour 2024. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.